Ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de jeux de société. Oui, je sais, normalement je parle beaucoup plus de Disney, mais en ce moment c'est un peu au point mort, hein. Du coup, je m'occupe comme je peux à la maison et du coup je joue à plein de jeux de société. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bunny Kingdom. Bunny Kingdom, c'est un jeu qui se joue aussi bien à 2 que à 3 que à 4. Il est vraiment intéressant dans toutes les configurations et surtout, chez nous, c'est le jeu auquel on joue quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors je vous l'explique tout de suite. Dans ce jeu, nous incarnons chacun un seigneur lapin partant à la conquête du nouveau monde. Le but, c'est d'être le nouveau roi des carottes, quoi. On joue chacun une armée, donc symbolisée par des petits pions comme ça, tout mignons de lapin. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a 4 couleurs, parce qu'on peut jouer à 4 joueurs. Et le jeu est un jeu de draft. Donc comment ça se passe? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors déjà, c'est pas pareil si on est à 2 ou à plus. Je vais vous expliquer d'abord les règles à 2 et on vous fera une démonstration de partie à 2. Et après cette démonstration, je vous expliquerai la variante à 3 ou à 4, même si techniquement la variante c'est à 2, mais bon, vous m'avez comprise. On commence par faire 4 tas de 10 cartes. Alors on a beaucoup plus de cartes que ça, mais ça, ça va correspondre à la première manche. Il y en a 4 en tout. Chacun va donc avoir 2 tas, un tas qui va être sa pioche, dans lequel il va piocher à tous les tours une carte, et un tas qui va être sa main de départ. On commence par regarder les 10 cartes de sa main de départ, puis on pioche une carte qu'on ajoute à cette main. De là, on va choisir 2 cartes. Une carte qu'on va défausser et elle ne sera plus jamais jouée. Ni par moi, ni par mon adversaire. Ensuite, on va choisir une deuxième carte que l'on va jouer. Quand les deux joueurs ont fait ça simultanément, donc ils ont fini de choisir les deux cartes, quoi, on révèle la carte, elle est jouée, et ensuite on échange sa main avec l'autre joueur. On pioche une carte, nous avons donc à nouveau 10 cartes, et on recommence. Du coup, on va avoir plus que 9, 8, 7, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fini notre main. Oui, mais ces cartes, à quoi est-ce qu'elles correspondent? Eh bien, il y a plusieurs types de cartes. Les cartes les plus basiques sont celles comme celle-ci. Il s'agit de cartes avec une lettre et un chiffre en haut. Donc ça correspond en fait à une case du plateau. Ici, on voit d'après l'illustration que ce serait une plaine. Et on veut A9. On se reporte ensuite au plateau et A9, elle est ici. C'est bien une plaine. De la même manière, on a des forêts. Des endroits où on peut pêcher, donc des lacs ou des mers. Des endroits où on peut planter des carottes. Des villes qui sont déjà placées sur le plateau au départ, au début du jeu. Donc là on voit qu'il y a une lettre et en plus il y a un 1 en haut de la carte. Mais c'est exactement le même principe, on la joue et on met son petit lapin sur la case. Et enfin on a des montagnes. En jouant ces cartes une par une, hein, comme je vous l'ai dit, on peut mettre des lapins sur les cases correspondantes. Jusque là, tout va bien. Un autre type de carte, ce sont les parchemins. Donc là, on en a un par exemple. Ces cartes-là, au moment de les jouer, vous ne les révélez pas. Vous dites « je joue un parchemin » et vous le mettez sur votre pile parchemin. À la fin de la quatrième manche, chaque joueur révélera tous ses parchemins et comptera les points. Par exemple, si moi je prends ce parchemin et que j'ai bien 7 lapins sur des endroits où il y a des poissons, donc que je produis 7 poissons, bah, je gagnerai 20 carottes, donc 20 points. Il y en a de toutes sortes, ça peut être pour les cités qu'on contrôle, les coins du plateau, les territoires en bord de plateau, le nombre de carottes qu'on a, si on a X carottes, si on a X bois, etc. Il y en a vraiment de toutes sortes, il y en a où c'est le nombre de parchemins, il y en a où c'est des parchemins avec un trésor, donc qui donnent juste un nombre de points en soi, et puis il y a d'autres parchemins qui disent doublez vos trésors, un point par trésor, etc. Un autre type de carte encore, c'est le ravitaillement. Cette carte-ci, quand on la révèle, on la joue immédiatement et on va piocher parmi les cartes restantes sur le côté deux cartes et elles vont être à nous. Alors on les révèle pas forcément parce que si c'est des parchemins, c'est la règle habituelle qui s'applique. Mais voilà, on n'a pas le choix et on prend ce qui nous vient. C'est assez rigolo et c'est assez avantageux parce qu'en une carte on en joue deux, mais d'un autre côté on les choisit pas. Ensuite vient toute une catégorie de cartes que j'appellerais les cartes de construction. Ces cartes-là, on acquiert la ressource qui est écrite dessus au moment où on la joue. Par contre, on ne pourra l'utiliser qu'en fin de manche, mais à la fin de chaque manche. La première de ces cartes est le château 2. Quand on joue cette carte, on obtient un petit château avec 2 tours, comme celui-ci. Et on le met sur la carte, comme ça, et on pourra le construire à la fin du tour, comme je vous indiquais. Pour pouvoir le construire, il faut posséder un lapin sur la case où on veut construire, donc déjà posséder la case, et qu'il n'y ait rien d'autre de construit. Donc c'est valable pour toutes les cartes construction que je vais vous montrer à présent. Une seule construction par territoire. Pour construire un château 2, il n'y a aucune autre contrainte. De la même manière, il y a des châteaux 3. Avec 3 tours. Ces châteaux-là, comme vous le voyez ici, ils ont une contrainte, il faut qu'ils soient construits sur une montagne.
C'est pour ça que les terrains de montagne sont particulièrement prisés, on ne peut mettre des châteaux 3 que là-dessus. Nous avons trois ressources de base dont nous avons parlé, les poissons, les carottes et le bois. Je vous ai montré les cartes correspondantes jusque-là. Nous avons aussi des ressources rares, comme celle-ci. Donc là, il s'agit d'argile. Donc pareil, quand on obtient cette carte, on obtient un petit token qui permet de dire bah, j'ai de l'argile. Mais comme pour le château 3, il y a un petit symbole de montagne. Ici, là. Et ça veut dire qu'on ne peut mettre de l'argile que dans la montagne. Vous ne pourrez pas utiliser cette carte, en tout cas son token, ailleurs que dans une montagne. D'autres ressources rares ont d'autres contraintes. Les champignons, par exemple, ne poussent que dans la forêt. Vous voyez, il y a un petit indice forêt à côté. En termes de stratégie, il est intéressant de noter que une seule ressource rare se trouve en forêt, une seule en carotte et une seule en poisson. En revanche, il en existe 4 qui nécessitent de la montagne, plus les châteaux 3. Il y a 3 châteaux 3 dans le jeu, donc les montagnes sont quand même plus prisées que le reste. Le reste, si vous avez 2 carottes, vous pouvez très bien construire n'importe quoi sur une carotte, genre un château 2, si vous en reste une de dispo. Par contre, les montagnes, vous aurez tendance à les garder exclusivement pour construire les châteaux et les ressources rares, enfin les châteaux 3. Et les ressources rares. Dans la catégorie ressources, on trouve aussi 2 cartes un petit peu spéciales, parce qu'elles ne le sont pas en fait. On trouve des cartes comme ceci, donc avec un bois ou une carotte ou un poisson. Donc ces cartes permettent d'obtenir la ressource qu'on peut construire n'importe où. Ça permet notamment, si vous n'avez pas de bois, d'en avoir. Ou si vous avez les parchemins où il faut beaucoup de bois, d'en avoir un de plus, par exemple dans une plaine. Et celle-ci est un petit peu différente. Vous voyez, il y a les 3 ressources, donc vous obtiendrez un token avec les 3 ressources de dessiner. Et à la fin de chaque manche, vous pourrez décider à quoi ça correspond, mais c'est un seul des 3. Mais par contre, à la fin de chaque manche, ça peut changer, ce qui peut vous intéresser grandement. Parce que par exemple, à la fin de la manche 2, vous pouvez ne pas produire de poisson. Et à la fin de la manche 4, vous avez bien du poisson sur votre fief, donc vous n'avez pas besoin du poisson. Par contre, vous avez une carte parchemin qui dit que quand vous avez plein de carottes, vous marquez plein de points, vous avez envie que ce soit une carotte maintenant. C'est possible. Par contre, pour les parchemins, il faut décider au moment de la fin de la manche 4 à quoi correspond le token, et ça ne peut pas changer entre 2 parchemins, ce serait trop facile. Nous avons ensuite le relais aérien. On obtient 2 tokens qui sont dessinés en bas, et on pourra les placer à des endroits évidemment non construits, mais où on a déjà des lapins, comme toujours, et ça permettra de faire comme si la zone était continue. Donc ça permet de relier 2 zones, ce qui peut être très intéressant ou pas selon les cas et les parchemins notamment. Nous avons aussi des campements. Les campements, ça permet de mettre un lapin sur une case qu'on ne possède pas et qui est à personne. Cependant, toutes les cases ont une carte et donc si quelqu'un d'autre joue la carte, ou vous-même d'ailleurs, le campement disparaît. Donc soit à votre profit si c'est vous qui avez joué la carte, ou si vous êtes 2, défaussez la carte, comme ça elle ne sera pas jouée. Mais avec un campement, vous obtenez un nouvel emplacement de votre choix. Et ça peut être vraiment très utile. À côté du campement, il y a un petit numéro, c'est l'ordre dans lequel on les place, parce que s'il y a 2 personnes qui veulent la même case, et le campement sera donné à la personne qui a le plus petit chiffre, puisqu'elle joue avant. Toutes les autres constructions peuvent se faire en simultané, puisqu'on joue que là où on possède déjà des lapins. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais en fait là je vous ai pas expliqué comment on gagne des points, je vous ai expliqué comment on prend des territoires, comment on construit dessus, mais je vous ai pas dit à quoi ça sert en fait. Et c'est très simple. Lorsque vous avez 2 lapins sur des cases adjacentes, attention, adjacentes, pas par diagonale, hein, vraiment adjacentes, vous avez un fief. Un fief, c'est donc un ensemble de un ou plusieurs territoires continus. Chaque fief rapporte potentiellement des points. Pour calculer ces points, on compte le nombre de ressources uniques, c'est-à-dire si vous avez 3 carottes, ça fait quand même 1. Donc vous avez 3 ressources de base potentielles plus les ressources rares. Donc comme je vous ai montré, l'argile ou le champignon, où il y a de la perle, il y a de l'or, il y a plein de choses. Donc vous additionnez ces ressources. Ensuite, vous comptez le nombre de tours de château sur ce même fief. Attention, il faut vraiment que ce soit continu, encore une fois. Et vous multipliez le nombre de ressources par le nombre de tours. Et ça vous donne un score. Si vous avez 2 fiefs, vous allez compter pour chacun et faire la somme et ça vous donnera vos points. Nous allons prendre un exemple tout simple. Donc nous avons ici un seul territoire, un seul fief puisque tout est relié. Et nous avons 3 ressources de base fois 6. Donc 3 fois 6 ça fait 18. Donc dans ce cas-là, je marquerai 18 points. Autre exemple. Ici, je marquerai 3 ressources
x 3, 9, et là je marquerai 0 parce qu'il n'y a pas de ressource. En revanche, si j'avais un petit lapin ici, je marquerais 9 plus 3, puisque 3 fois 1. C'est par ressource unique, par fief, donc je peux compter deux fois la carotte. Et si j'avais un petit lapin ici, et ben ça ne changerait rien, puisqu'il y a de la lave entre les deux, et donc ils ne sont pas continus. En revanche, je pourrais mettre un relais aérien entre cette case et cette case, et dans ce cas-là, ce serait continu. Les cases qui sont ici, normalement il faut mettre un château 1 comme celui-là, mais j'ai eu la flemme pour vous montrer, du coup je ne l'ai pas fait. Mais vous verrez dans la partie, on les place au tout début du jeu. Je pense vous avoir tout dit en ce qui concerne le jeu à deux, donc c'est parti pour une démonstration. Et nous voilà fin prêts pour une partie à deux, nous en composant Lauranne à moi-même. Alors, on a mis chacun deux lapins sur la piste de départ, parce qu'on sait très bien qu'à deux on marque plus de 100 points, voire plus de 200, on verra. J'ai distribué 10 cartes en 4 tas. Il reste évidemment plein de cartes pour les tours suivants. Donc comme je vous ai expliqué précédemment, on va chacun avoir une pioche. Je vais prendre ce tas-là en pioche. Hop, Lauranne, celui-là. Et on va chacun avoir un premier tas en main au début. Sinon, tout le reste du matos est là. Hop. Comme je vous l'ai déjà présenté. On va peut-être pas vous montrer la partie entière parce que c'est pas très très fou. Je vais vous montrer au moins le début de la première manche. Ensuite je vous reprendrai à toutes les fins de manche pour vous expliquer un peu comment on compte et que vous voyez un petit peu comment la partie évolue. Alors nous avons... Ah oui, il faut piocher une carte aussi, faut pas oublier. Ah, très bien. Donc là... En mode de joueur, qu'est-ce qu'on fait? On prend une des cartes qu'on joue pour nous et l'autre, et on en défausse une autre. Puis on passe le tas à notre voisin et on repioche. Là, moi, je vais jouer ça parce que c'est très sympa et qu'il n'y a ni château 3 ni ressources rares. Et ensuite, je vais défausser ça parce que comme ça, je sais qu'il n'y aura pas. J'ai fini et j'attends que Lauranne ait fini aussi et qu'il me passe. Donc je fais ma défausse d'un côté, ce que je vais jouer quand Lauranne aura décidé aussi ici. Et les cartes qui volent là, c'est pour lui. Hop. Du coup, on révèle. Moi j'ai un ravitaillement. Un ravitaillement, donc je pioche deux cartes parmi les deux qui est parmi ce qui reste là. Donc nous avons un parchemin que je vous montre mais que Lauranne ne verra pas et qui ne se fera qu'en toute fin de partie, donc que je mets là, je le pose sur le côté, et d'ailleurs de l'autre côté parce que ça c'est ma défausse, et j'ai H5, voilà pour ce que ça vaut. On a réussi à être voisins. Et ensuite je prends ça, ce qu'il m'a donné, je vous le montre. Je pioche une carte et je choisis, je choisis une carte. Est-ce que je prends une ville? Est-ce que je prends une montagne? Ah, je vais prendre ça, je pense. Je vais prendre ça et au prochain tour, j'espère pouvoir prendre ça. Que c'est à côté en fait. Donc je joue ça et je vais défausser ça. Ça fait 4 points à la fin si on l'a gardé. Je joue E5. E6, pardon. E6. Parce que E5 c'était pas une. Ah, j'espérais pouvoir le prendre. Ben non. H10, non, ça m'intéresse clairement pas. Ben, on va prendre ce parchemin. Et on va défausser ça. On prend la dernière carte. Donnez 8. Ah oui, mais c'était un parchemin. Et on a ça aussi. Et ben on va jouer ça, je pense. Attends. B2. Moi aussi, j'avais deux trucs qui m'intéressaient. On a fini notre première manche. Parce qu'on a passé toutes nos cartes. Du coup, là, on va pouvoir construire. Donc moi, j'ai ça à construire. Et Lauranne, il a un château 1 à construire. Si on veut, on n'est pas obligé. Et moi je vais mettre ça dans cette montagne, comme ça je vais marquer un point. Ça fait un. Oui, mais c'est de la provoque de le mettre à côté de moi.
pour ça que ça me fait rire. Et du coup, on marque un chacun. Je vais vous montrer un tout petit peu du début du prochain tour, et puis après, je vous reprendrai épisodiquement. Et voilà ma nouvelle main. Alors, nous avons tout ça. On pioche et on regarde. Alors, il devait y avoir un château 3 ou une ressource rare pour que le run ait fini aussi vite. Donc ça et ça, ça m'intéresse. Et ça, non. Du coup, je pense que je vais défausser ça et prendre celui-là. Voilà. Comme annoncé, ressource rare pour le run. Ouais. J'avais pas ça. Alors, nous avons plein de trucs trop bien, j'ai l'impression. Et pas un truc où je m'étais dit que vraiment personne ne voudrait, si ça. Voilà. Hop. H9. Moi je joue C3. Voilà, on vient de finir notre phase de construction. Moi j'ai construit un petit château. Voilà, je me suis pas mal étendue. Par contre, j'ai cette lave là qui est un peu relou, qui fait que c'est pas relié. Donc je marque deux là-bas parce que j'ai deux tours et un bois. Et je marque un ici parce que bah, j'ai ma ressource rare et mon petit château 1. Du coup, je marque 3, donc j'avance à 4. Puis là, il y a le ran. Lui, il a tout relié, donc il marque beaucoup. Je marque 28. Voilà. Spoil, j'ai perdu la partie. Mais peut-être pas, finalement. Parce que si j'arrive à tout relier, je suis aussi bien que lui. Mais il faut que je fasse ça à cette manche-ci, sinon c'est fou. Nouvelle manche, nouvelle main, voilà ce que nous avons, et c'est pas exactement ce dont je rêvais. Je dois avouer. Bah je vais prendre ça. Ah, je vais piocher une carte d'abord, peut-être que ce sera mieux. Non. Bah je vais prendre ça et je vais jeter une carte. Je prends celle-là. Voilà. Et voilà. Le deuxième paquet. Alors, nous avons... Oh, des trucs bien, là, pour le coup. Ça m'a l'air mieux, quand même. Ça, c'est très très bien. Enfin, c'est OK. Non, c'est pas très très bien. C'est C4 qui était très très bien. J3. Non, c'est pas du tout à côté de chez moi. D4. C'est pas mal, D4. Ah, D4, j'aime bien. J'ai pas pioché. Je vais prendre ça plutôt. J3, ça plaît à personne. Ça veut dire. Alors, je vais vous laisser regarder mon ravitaillement. Je découvre du fer. Alors, nous avons F4. Yeah! Ça, c'est bien. Ça, c'est genre ouf. Et nous avons I6. Ça, c'est osé tir. C'est ça, c'est pas nul, mais c'est pas ouf bien. Mais c'est pas grave, j'en ai eu un ouf bien, c'est tout ce que je voulais. Et du coup, là, vous avez vu les deux mains, et je vous reprends à la fin de la manche. Voilà la situation avant de construire. Je me sens plutôt très bien, j'ai réussi à presque tout relier, et j'ai un campement à mettre ici, qui va me permettre de relier ces deux-là. Bon, lui, il est toujours exilé parce qu'il y a de la lave. Mais tout ça, c'est relié, là. Tout ça. Je suis très très contente. Donc nous allons construire. Je peux mettre un campement là ? J'ai pas de campement de toute manière. Oui, mais sinon, si tu m'embêtes, je le mets là, tu vois. Donc, mais je pense que là, on se disputera moins. Ensuite, ça c'est fait. J'ai récupéré de l'or. Attends, tout n'est pas relié, j'ai dit une bêtise. C'est pas là que je le mets, c'est là. Sinon, c'était pas relié à cause de ça. Bah, je vais mettre mon or ici, non. Qui est pas relié. Tu veux le mettre là. Là, c'est voilà. Relié. Et j'ai un château 2 à mettre, qu'on va mettre dans la plaine, parce que j'ai mis une plaine points. Et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à... moi, est-ce que j'ai toutes les ressources déjà? Oui. Donc j'en ai 5. Fois. 6. Il manque de châteaux. Ouais, je suis d'accord. Ça fait que 30. Du coup, 34. Mais je suis dans la course. Nouvelle manche, nouvelle main.
Alors... Sans trop d'hésitation, je vais prendre ça. Et je vais juste vérifier qu'il n'y a pas C6. Parce que s'il y a C6, je le défausse. Non, il n'y a pas C6. Je regarde un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Il y a ça qui est super intéressant. T'as le champi ou le château 3 ? J'ai un château 3. Donc ça, c'est super intéressant. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ouais, il y a une carte méga intéressante pour nous. J'ai pas défaussé. Voilà. Perle. De perle en pimpin. Ah non, c'est la poudre. J'ai un château 3. Et on va regarder le deuxième paquet. Alors... Bah, y a ça que je veux, absolument. Donc je vais prendre ça, absolument. Et je vais défausser ça. Et nous voilà en pleine construction de la fin de partie. Donc moi j'ai des châteaux 3 à mettre, donc on peut mettre, comme vous le savez, que sur de la terre. J'ai réussi à tout relier, j'ai eu tous les châteaux, tous les machins, tous les trucs, je suis full reliée. Donc je peux les mettre n'importe où, si c'est à moi, c'est que ça marche. J'ai un château 2. Et j'ai des champignons hallucinogènes. Voilà. J'ai tout construit, Lauren a tout construit, j'ai clairement plus de lapins sur le terrain que lui, parce qu'on en a le même nombre à la barre et qu'il m'en reste 5. Il a un million de petits fiefs là-bas avec... voilà. Ensuite, nous allons compter de combien on avance. Je compte vraiment beaucoup. 6 fois 18. Bah pareil, 128. Ah, du coup, t'as gagné, parce que je pense pas avoir assez de parchemins pour te rattraper vu le nombre de parchemins que tu as. Donc 128, t'as dit. 100. Voilà, donc on a ça d'écart à combler. J'ai 5 parchemins. Voilà, j'ai 5 parchemins, tu as 10 parchemins, un truc comme ça. T'en as vraiment beaucoup. La plupart me rapportent des trucs, il me semble. Oui, il y en a un qui me rapporte vraiment pas grand-chose. Bah, fais tes parchemins. Nous t'écoutons. Enfin, ils sont pas exceptionnels non plus. 3 par trésor. J'en ai tellement. Et je double les trésors. Je les ai tous supprimés, les trésors. Tu les as tous supprimés, je t'ai... Mais je le fais toujours. J'ai quand même le gant gauche qui m'apporte 1. Première carte supprimée, gant droit. La carotte royale qui m'apporte 6 et le sceptre qui m'apporte 3. Et première carte supprimée, gant droit. Quand j'ai vu gant gauche passer, j'ai fait, bah tiens, je vais lui laisser. Donc doublé, 2... 12 et 6. Ah, quand même, hein! Donc 20. Ouais, je t'avance et 3 par trésor. 20. Déjà. 29. Avance à 200. 5, 10, 15, 20. Tu les aurais pas supprimés. Et combien? 19? 29 en tout. Ah, plus 9. 19, voilà. Tu les aurais pas supprimés, je serais vraiment devant. Oui. Ah, si, je pense pas être second. Mais on verra. Ouais, 12 par. Si je contrôle 9 cités, j'en contrôle plus que ça, il me semble. Oh, 1, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 2, c'est 10, facile. 11, 12, 9, tu te... C'est rare d'avoir moins de 9. À 2, c'est vraiment facile. À 3, enfin, 3, 4. Ouais, à 4, c'est un peu plus. C'est un peu plus aléatoire. Et 3 par ressource, rare. Ouais, j'en ai 3, donc 9. Moi aussi. T'en as 4. Hein. J'en ai 3. 1, 2, 3, 4. Donc tu t'es oublié 18, c'est ça? Voilà, il a juste 100 points de plus que moi actuellement. Je ne fais pas 100 points avec mes 5 parchemins. Je fais des points, mais pas 100. Alors, 0. Voilà. 3 par carte campement. J'en ai une, donc 3. 2 par montagne. Là, ça commence à être intéressant. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'essaie de les virer toutes les cartes comme ça. Ouais, mais montagne, je l'ai pris mais, vite. Celle-ci, tu l'as réussi à la prendre. Je l'ai pris super vite. Parce que je savais que j'allais avoir un petit fief et que ça allait pas m'avantager. Un par parchemin que je possède. 5. Ouais, j'ai même pas arrivé aux 200. Et un par carotte que je produis. Je crois que j'en produis que 2. Ouais. 3. Oui, 3. Ou ça, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, bah là. Voilà, j'ai lamentablement perdu, comme souvent. Mais ce jeu,
il est très bien parce que j'ai aucune frustration et que je me suis bien amusée. Maintenant la variante à 3 ou 4 joueurs, ou le jeu principal finalement. On distribue 10 ou 12 cartes en fonction du nombre de joueurs, 10 à 4, 12 à 3 à chaque joueur. Et de la même manière, on va consulter ces cartes, en choisir une qu'on va jouer tous ensemble. Cependant, dans cette version-là, il n'y a pas de défausse. Donc c'est notamment intéressant sur les campements de savoir qu'il n'y a pas de défausse, parce que du coup, si vous voyez passer votre carte de campement et qu'il vous la faut absolument, faut la prendre en fait, parce que sinon, quelqu'un va être obligé de la jouer. En effet, on commence par regarder ses cartes, on joue une carte, et on passe à son voisin, d'abord de droite, puis de gauche, puis de droite, puis de gauche, donc en fonction des manches. Comme ça, c'est vraiment très équitable. Et toutes les cartes vont être jouées comme ça, en fait. Donc on va tourner le nombre de fois en fonction du nombre de joueurs. Le jeu reste très intéressant dans tous les cas. Pas prise de tête, vraiment. Quand on connaît pas le jeu, on est un petit peu désavantagé, mais il suffit de dire que les châteaux 3, c'est cool. Les ressources rares, c'est cool. Prenez-les dès que vous les voyez. C'est à peu près une règle universelle. Modulo, évidemment, les campements et ce genre de choses, mais... Dans l'ordre de priorité, on regarde ça, et après on regarde le reste. C'est un jeu qu'on possède depuis bien un an et demi, je dirais. Oh oui, facile. Peut-être même 2 ans. Et c'est vraiment un jeu qui sort très régulièrement chez nous, qu'on adore, et qui n'est pas prise de tête, comme je vous disais. Il est assez facile à prendre en main, assez intuitif. On s'amuse vraiment. Même si on perd, comme vous l'avez vu dans la partie, moi j'ai perdu. Bon, en plus, si vous avez bien regardé, j'ai triché, c'est-à-dire j'ai pas fait exprès, mais j'ai oublié une lave. Donc en fait, je marquais beaucoup moins de points que ça, sauf que j'aurais pu prendre un campement parce que j'en ai défaussé plein à la fin, et en plus ça m'aurait rapporté plus de points avec mes parchemins, donc j'ai juste mal joué. Voilà. Mais c'est pas très grave, je veux dire, je me suis bien amusée quand même. Donc il est pas frustrant. Il existe une extension de ce jeu, mais on a regardé à quoi elle correspondait et ce qu'elle permettait de faire. Et il nous a semblé qu'elle complexifiait énormément le jeu, et nous, quand on joue à ce jeu, c'est vraiment pas pour se prendre la tête, au contraire. Et du coup, on a décidé de pas l'acheter, mais sachez qu'elle existe et qu'elle permet d'ajouter un plateau à côté qui se relie au plateau principal, et elle permet de jouer à un joueur de plus. Donc ça, ça peut vous intéresser si vous êtes une famille de 5. Sachez que c'est possible avec l'extension. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous aimeriez que je vous présente, jeu que je connais ou pas, et me le faire découvrir du coup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous !